Donc on est venu, je suis le représentant du mouvement Tournons la Page au Sénégal. Donc on est venu soutenir le FNDC Guinée, donc pour défendre la démocratie. Donc on est là, le Sénégal aussi représente, parce que s'il y a un problème en Guinée, ça va venir au Sénégal. Donc on est là, on est venu les soutenir ici pour envoyer, le message est déjà très haut. Le message est déjà très haut, donc on a diffusé le message partout. On compte faire des marches pacifiques partout dans le monde. Donc on compte soutenir la Guinée partout où ils sont, en tant que jeune, leader du pays aussi. J'ai envie de dire qu'en tant qu'Africain en même temps. Oui, en tant qu'Africain surtout, en tant qu'Africain membre de la CEDEAO. Donc on est venu ici pour soutenir le FNDC, soutenir aussi l'opposition. Mais aussi on va dire qu'il y a des opposants qui profitent de l'occasion. Ils profitent toujours de l'occasion pour faire à leur fin. Donc tout ça là aussi, on va trier tout ça pour enlever. Parce que vous voyez, FNDC, c'est un mouvement purement société civile. Donc on est contre ces opposants qui viennent profiter toujours de l'occasion pour venir au pouvoir. Donc ça, on va les empêcher. C'est la jeunesse guinéenne qui s'exprime, la jeunesse CEDEAO, la jeunesse africaine. Donc nous disons non à un troisième mandat. Nous disons non à un troisième mandat. Donc c'est ce message que je peux dire. Et je remercie votre télé aussi. Je remercie votre travail. Voilà, moi je réponds déjà au nom de Bamadou. Et je suis là pour, en quelque sorte, m'impliquer par rapport à la revendication que le FNDC est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, il se passe une situation, n'est-ce pas, s'il faut le dire, désastreuse. Parce qu'on comprend quelque part que le président, il veut briguer un troisième mandat. Et on connaît un peu l'histoire qui a amené justement son élection à la magistrature suprême. Donc ceci pour dire qu'aujourd'hui, la Guinée n'a pas besoin à ce qu'un président tripatouille la constitution. Et c'est dans ce sens même que le FNDC a été, n'est-ce pas, mis en tout cas sur pied pour justement rappeler Alpha Condé qu'on n'a pas besoin d'un troisième mandat. Et que, c'est-à-dire, on lui demande tout simplement d'organiser des élections libres et transparentes pour qu'il y ait une nouvelle personne, un nouveau président qui puisse continuer ses œuvres. C'est le souhait, n'est-ce pas, que le FNDC aujourd'hui est en train de véhiculer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que même le président Alpha Condé, il se réclame en tant que premier président démocratiquement élu. Et c'est l'Italie, il a tenu compte d'un facteur historique. Parce que si on jette un peu un regard sur l'histoire, on connaît que le premier régime est venu, il a en quelque sorte été dictateur et le deuxième régime aussi en a fait autant. Donc on n'en veut plus à ce qu'il y ait des présidents à vie en tant que nouvelle génération. Donc voilà pourquoi on s'oppose carrément à un troisième mandat, à une nouvelle constitution pour permettre à M. Alpha Condé d'avoir un troisième mandat. Donc c'est notre cri de cœur en tant que jeune, en tant que mouvement de la société civile. Il n'y a pas de soussous, il n'y a pas de peul, il n'y a pas de malinqué, il n'y a pas de guerzé, il n'y a pas de forestier. On est des Guinéens tout court, on est des Africains parce que vous avez vu le mouvement Yanamar qui est venu aussi nous soutenir. Donc ça veut dire quelque part aujourd'hui que toute la jeunesse, n'est-ce pas, africaine, conjugue le même verbe pour, et n'est-ce pas, renverser la tendance. Parce que nous estimons aujourd'hui, c'est du fait que les présidents viennent et qu'ils essayent de s'éterniser au pouvoir, et ce qui fait que toujours il y a des problèmes. Donc, M. Alpha Condé, à vous lancer, s'il vous plaît, c'est-à-dire faites en sorte qu'il y ait des élections paisibles, transparentes, afin de sauver la Guinée et éventuellement sauver l'Afrique. Bonjour monsieur, je m'appelle Lamine. Pour commencer d'abord, il faudrait que je rende hommage à l'ensemble des victimes du massacre du régime d'Alpha Condé. Vraiment, c'est déplorable. Vous avez même vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ont pris le corps de l'hôpital Ignace Dine de Conakry pour les exposer au niveau de l'hôpital sino-guinéen de Conakry. Ça même, c'est dommage. Il doit quitter pour donner une note. Voilà, la Guinée partie à tout le monde. Voilà, le président qui a fait deux mandats, il doit partir pour laisser les autres futurs vont faire comment, hein? Tu avais deux mandats, tu veux un troisième mandat, pourquoi? Tu n'es pas le seul Guinéen. Il ne peut pas prendre l'exemple. Lui, il allait négocier avec Yaya Diame. Yaya Diame est parti, pourquoi lui? Il n'a pas pris qu'exemple sur M. Compaoré même. Ouais, mais voilà, au Compaoré, quand il voulait modifier la constitution, les Burkinabés, ils sont sortis massivement. Il a fui. Assalamu alaikum la communauté, assalamu alaikum aussi à tout le monde aussi. Voilà, hande gadime ho tido fi holu tigol communauté. Voilà, ko fi ndi kon do do Sénégal Dakar. Voilà, parce qu'à faire le côté de troisième mandat, ou do gadime do hande fi holu tigol communauté fo fi be famo. Hande la Guinée ko jantume falaton e kadi e needi
e aussi kadi fi lamu go fo kadi ko dum en falira fi yobe wadu neede e dina kadi kadi be jokka normal parce que andi hande sa ndari community o fendo fo no wulito fi pijugo ko ne warede ko fo parce que be ndata ko do ko pullo do ko manika do ko so sojo fo ko winna ko guinée ko 224 la guinée conakry ko do wari fo e droit wonde nene goto baba goto wonen jang Guinée wona la paix aussi parce que ko dum tori de ngala Guinée fo wona e jang ko dum addi men do hande kadi fiol digol community parce que Sénégal o men kadi me jodori do no lay men kadi voilà no wodi to men me mari wonani men Guinée ko wari me hande kadi men kadi me hocci do fiol digol community Guinée be wonbe tombe wonbe extérieur wonbe partout dans monde voilà me nebe voilà yobe Allah yobe walluen quoi yobe walluen Voilà, jang wona la Guinée qu'on a créé quoi pour ngadi men do ande inchallah. Ay ko gogama o gaynata o folata o wawata o fenay yo immo. Menen ko me yidi la Guinée ko gollo wana feno dayna. Fenande achi. So golla. Ti Allah tamani mo gollata. Yo sallu ar. Me halda, mi halani yimbe makko be himedo do. Mi yehi haga galle mabbe ton be sali haldude am. Mi ari haado. Marseji do fo mi yileke. Yo sallu ar do me halda digila la sana konté. O wi me halda ta mi rugi atu jallo. Kono o yaa do mi e kani wadda yaada ta tombe golla be tame wo hay fuson ala assalamu alaikum on jara ma ko ni fewndi do sina han de ray meden ari do fi 3e mandat o beeni latu ta ko en tout cas haray guinée on fo no noti be wonbe senegal do bay do ngandi enen ko senegalese ko guinée yembe fo ko gotu en tout cas haray hande meden ari do e do e monument ko koloban do haray fi 3e mandat o menen guinée wonbe der dakar do meden immi fi dun don hande ko dum gatti men do ko OK merci beaucoup sista asi ko chaîne maonde wonno wete TBP vision TBP vision ka hon wonno wadde ton ah fi artiston andi tum artiston kadi wata wonde bawo wonbe kadi compte youtube be jogiti be youtube ben artiston wata ronkude argol noto honno artiston wata ronkude wonde e bawo be jogiti be youtube ben ko dum wadi menen kadi meden immani fi dum don fi sutanugol artist be wonbe der Dakar do Senegal ben quoi kono j'ai l'impression que buye mabbe fama dum non quoi ane eh ko fi dum do men ngimani ko dum min kambe hore mabbe be fama sifa maen ko wallu golbe woni ko voilà ko dum ko kono be sikkay haray goddo sibe invite de be fi mana wadu gol interview ko mbudi wala goddo go wana fi dum menen ko men ngimani ko fi artiste o waaw yaade yeso e sugadi do piji no yirdon on andi enen hiden heewi Dakar do machallah ko fi dum don ko en immano culture la Guinée on e jeunesse la Guinée on e président be ben kadi ko be woni wadde kon fou fi yen immano dum don moje moje ko dum enen kadi wonani en ko compte youtube ji voilà ko dum don quoi OK merci beaucoup sista asi Si tu as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi si ce n'est déjà fait. On vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.